Vincent Lucas, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir ici sur le plateau des Épicuriales, de votre Périgord. Exactement. Coin perdu, au milieu de rien. Le restaurant Étincelle. Tout à fait, avec un S. Qu'est-ce qui se passe dans ce restaurant ? Plein de choses. Je propose vraiment ma cuisine avec un menu unique, surprise. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ils appellent, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? J'en sais rien et de toute façon, j'ai pas envie de vous le dire. Donc c'est la surprise du chef. Exactement. Et les plats s'enchaînent dans la totale surprise à chaque fois. D'accord. Donc c'est ça, ce côté spontané en fait qui fait partie de moi-même, mon côté instinctif et que j'ai envie de faire partager. Et après, c'est aussi, je pense qu'il y a un côté chaleureux parce que en fait, je vais voir chaque table, je sers les plats avec ma femme à chaque table. Donc il me voit au début jusqu'à la fin. Bonne communication. Et du coup, il y a vraiment un vrai partage. Tout le temps, que ce soit positif ou négatif, puisque ils ont aussi des remarques à me faire, et c'est ce qui a aussi ce côté intéressant, et tout ça dans la simplicité et le côté vraiment convivial, en fait. Ce soir, on va partir sur des choses très fraîches, qui vont un peu se rapprocher de la cuisine d'été, mais avec des produits de printemps. C'est quoi l'entrée, alors ? Alors, en fait, c'est un peu comme une escabèche de coq, avec justement plein de petits légumes, de la coriandre, un côté vinaigré avec du vinaigre de xérès, des échalotes, un côté citronné pour apporter de la puissance et du peps, pas mal d'herbes. Et après, on recouvre d'un crémeux de févette. Avec, on apporte du crispy, donc avec des amandes grillées et des petites pousses donc, qui sont raccord avec ce qu'on a mis, donc les petits pois, des choses comme ça. Un filet d'huile d'olive, évidemment, parce que moi, je suis natif de Nice, donc il y a toujours quelque part un peu d'huile d'olive qui traîne. Après, c'est du poisson, donc du rouget, que j'ai servi avec une petite tartelette. Donc on est sur un chaud froid. En fait, ce qui va être chaud, c'est vraiment que le poisson. Et la tartelette avec à l'intérieur un genre de panna cotta d'un thé au lait à la sauge. Alors ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai ramené de mes voyages en Palestine. Où quand tu rentres dans un magasin acheter quelque chose, où tu as le papy, la mamie, il va te servir un thé où il y a toujours une feuille de sauge dedans. Et donc là, on va avoir par-dessus une petite salade de lentilles beluga, bien assaisonné aussi, donc il va apporter de la fraîcheur. Alors le dessert, mon idée, j'étais parti sur une tarte au citron. Sauf que là, en fait, il n'y a pas de citron, ou très peu. Donc le thème, c'est le caviar. Donc j'ai fait une polenta au beurre de caviar, avec du caviar séché également. Ensuite, je fais une fondue de poireaux, que le blanc de poireaux, qui est fondu tout doucement, avec du sucre. Mais on ne va pas trop rentrer dans la sucrosité non plus. Un cœur de caviar, donc on va mettre à peu près 5-6 grammes de caviar. Et après, on va recouvrir d'une meringue italienne, qu'on va passer un peu au chalumeau pour apporter un peu de couleur, un peu comme une tarte au citron en fait. Hein. Un petit râpé de zeste de citron, une petite huile d'olive au zeste de citron également, et remoulin à poivre, pas de poivre, mais de caviar séché. Là c'est pareil, c'est un peu très risqué. En fait, ce qui est vraiment important dans ce genre de plat, et surtout sur un dessert, c'est vraiment de mettre la quantité de caviar pour que l'équilibre existe. Cuisine libre. Et dissidente. Et dissidente. Toujours. Merci toujours. D'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci.